Ce qui reste à long terme, c'est le plus important. Aujourd'hui, je te parle d'une autre richesse, le temps. Dans la vie, on peut acheter plein de choses avec l'argent. On ne pourra pas acheter l'amour, pour le coup, mais on peut acheter plein de choses. Mais dans ces choses qu'on ne peut pas acheter, il y a le temps. Le temps, si on le perd, on ne peut pas le rattraper. Alors que l'argent, si on perd de l'argent, on pourra toujours recommencer. Ce qu'il faut faire attention quand on est cadre, dirigeant, leader ou autre, c'est le temps que l'on consacre à notre activité. On a tendance, dans cet élan de passion qui nous prend et qui nous emmène à avancer, à laisser un petit peu de côté certaines choses. C'est vraiment important de regarder ces choses-là, parce qu'autant l'argent qu'on n'aura pas gagné, on pourra le gagner plus tard, autant la santé qu'on aura perdue en chemin, la famille qu'on aura perdue en chemin parce qu'on n'aura pas donné assez d'attention, on pourra difficilement la récupérer, voire pas. Les amis qu'on aura perdus, ce sera difficile de les récupérer. Quelqu'un qu'on aura fait passer comme la dernière roue du carrosse, à moins qu'elle soit vraiment compréhensive, ce sera difficile. Donc prenez garde quand vous avez un projet et que ce projet vous tient à cœur. Pour la suite, rendez-vous demain. Pense à t'abonner si tu veux pouvoir la découvrir. Bye bye!